Salut à toutes et à tous, c'est SkylarMod, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de notre guide dédié à Steel Rising. On a bouclé Montmartre, cette fois on se dirige vers la Bastille, une vidéo qui devrait être assez courte, je l'espère du moins. Allez, on vise une trentaine de minutes, et puis après, on pourra s'attaquer aux quêtes annexes, et finir le jeu tranquillement. Si mon travail vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, je vous remercie. Le traditionnel point personnage, boîtier longue vie numéro 3, boîtier de destruction numéro 3, boîtier longue vie 2, boîtier longue vie 1. Oh, on a toute la collection là. Là comme ça on est bien, on a une belle barre de vie, on va faire de gros dégâts. Et on est paré pour la Bastille. Allez, il n'y a rien ici. On va quand même casser... Ah bah si, il y a ça. Oh, en plus des grenades d'incendie améliorées. Bah écoutez, on va pas bouder notre plaisir hein. On va éviter de trop se charger. Là, ça y est, il n'y a pas de retour en arrière possible tant qu'on n'a pas fini la Bastille. Ah, on va baisser un peu le son du casque parce que là, ça me casse les oreilles. Hop. On n'est pas encore à la Bastille. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh là là, oh les dégâts qu'on fait. Oh! Le boîtier de destruction, l'arme à fond, et puis je viens de prendre un petit niveau, j'ai dépensé mes manes, je sais pas quoi en faire, pour améliorer ma puissance. Ah non, pas toi, toi tu es moche. Ça fait quand même une bonne petite association, je crois que j'ai loupé un petit item. C'est pas grave, on s'en fiche. Ah oui, là. Oh là, non, 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 non. Ah, mais j'ai... J'en ai marre de me coincer contre des trucs. Allez, on poursuit la descente. Et je crois qu'il n'y a rien ici. Allez, je me suis fixé le défi, la vidéo en moins de 30 minutes. La vidéo complète. Hein. On laisse rien de côté, mais voilà, on le fait en 30 minutes. Parce que c'est mieux quand c'est court pour une vidéo. Ah oui, on va droit à l'essentiel. Enfin, là, je sais pas où je suis allé, mais je suis allé nulle part en tout cas, parce que... Non. Ah si, il y a un truc à prendre. Alors. On a ça, on monte ici. Mais... Ah, voilà, il s'est agrippé. J'espère que j'ai rien oublié. Mais je pense que si. Et qu'il y avait un... Ah non, c'est bon. Je l'ai ramassé. Tout va bien. Allez, on continue. Vous voyez, je vous disais à un moment que au tout début que le challenge pas de soins, pas de burettes, c'était quand même pas si compliqué que ça parce qu'on en trouve tellement de flacons d'huile ordinaire. Donc, franchement, vous voyez, j'en ai 32, j'en ai rarement acheté. Vraiment, on les trouve partout. Oh. Et lui, il est pas cassé. Comme les munitions alimentaires, regardez, maintenant je les récupère par paquet de 11, mais j'ai pas besoin d'en avoir autant. C'est fou. Ça fait partie du problème d'équilibrage global du jeu, où en fait on se sent jamais vraiment en danger. Après, c'est pas dégueulasse non plus de s'amuser comme ça et de pas avoir de pression, mais c'est vrai que quand on est habitué des Souls-like, en général c'est qu'on aime un petit peu la difficulté. J'ai pas réussi. Bah, tenez, voilà la difficulté. J'ai pas réussi à casser mon tonneau. Ah, voilà. Il est cassé. Pareil, le fait de pouvoir esquiver tous les combats, ah, c'est un petit peu dommage. Même si je pourrais très bien m'imposer de tous les réussir. Tous les faire, pardon. Oh là, non. Ça, par contre, c'est bizarre. Hop, voilà. Et on grimpe là, et on esquive donc ce vilain robot. Là, il n'y avait rien, non. On est juste censé passer par là, je pense. Oui, c'est ça. Hop. Ah, on remonte. Et là, voilà, on récupère une petite grenade incendiaire améliorée encore. On n'en a que 5, hein. C'est quand même pas énorme. Vous savez que j'aime le chiffre 30. C'est très bien et ça suffit pour n'importe quel boss, même le dernier, il me semble. Non, non, voilà. Hop,
Tout ça pour les flacons d'huile ordinaire. Et... et voilà, on arrive à la Bastille. Alors, maintenant que nous sommes à la Bastille, il y a plein de choses à faire ici, il y a plein de quêtes annexes, enfin plein, en fait il y en a une, deux, peut-être. Il y a des trucs de citoyens, dont un qu'on peut rater. Alors là, il dit impossible de faire machine arrière, si si, après la Bastille. Ouais, je l'utilise. Ah si, il y a peut-être moyen de faire le plein de jetons de carrosse. Non, j'en ai pas besoin là. Pour l'instant, on va juste prendre ça. Donc je le répète, hein, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, le jeton de carrosse, c'est pour revenir en arrière. Enfin, revenir au carrosse quand on a complété des quêtes annexes, plutôt que de se taper toute la traversée du niveau, ce qui peut être pénible. C'est quand même pratique de pouvoir faire ça. Alors, pas de villageois ici. Je me souviens qu'ici, il y en a un qu'on peut louper. C'est un prisonnier à qui il faut donner une tranche de pain. Et en fait, on peut louper la tranche de pain. Ah oui, c'est ce... oui, ok. Oui, on va aller par là. Ah, j'ai tellement cru lors de ma première partie, mais non, que ce mur pouvait être cassé. Ça m'a rendu fou, hein, parce que j'étais sûr qu'on pouvait le casser. Non, on peut pas. Mais oui, là, si ça peut vous faire gagner du temps. Je m'y suis surpris à plusieurs fois, hein. J'ai réussi à me convaincre qu'il devait y avoir un truc. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser ici? Ah, arrête de m'attaquer, toi. Non, bah écoutez, on va monter quand même. Parce qu'il y a le crochet qui est là-haut. Et je sais plus si on le... si ça débloque un raccourci, ça, mais on peut récupérer en tout cas ça. Non, c'est pas ici. Non, en fait, il n'y a pas de raccourci, là. Alors comment on va là? Ah oui, d'accord, c'est par là, je crois. Voilà, on casse cette porte. On a le gros truc de glace, bien vénère. Voilà. J'ai pris une petite balle perdue là, moi. On va ouvrir le raccourci qui mène au début du niveau. Hop. Oh, j'ai cancel mon attaque là. On se serait cru dans un Street Fighter, c'était incroyable. On récupère ça. Si les gens pouvaient arrêter de me tirer dessus sans raison, ce serait formidable. Ça, ça s'ouvre pas, évidemment. On arrive par là. Oh là, arrête de taper ta hache. Ça fait du beau. Oui, je lutte activement contre le bruit. Je suis en guerre avec mes voisins qui font trop de bruit à mon goût. Voilà, reste à terre. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tué un ennemi. On a récupéré l'essence d'esprit guerrier. Et on n'a pas besoin d'aller de ce côté. On va aller ici. Allez. Oh là. Ah oui, non. Non, non, ça marche pas comme ça. Et voilà, on va le congeler. Et ensuite, bien charger l'attaque. Oh là. Je sais même pas comment il peut me rater, mais bon. Il m'a raté, tant mieux. On récupère au passage l'essence d'esprit. On déverrouille. Là, on a un ennemi bien vénère. Enfin, pas plus difficile que les autres. Attendez, j'avais pas ramassé ça. Il est peut-être vivant, lui. Non. Ah non, 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 il est pas vivant. Bon. Ah, une clé à boîtier, très bien, ça. Alors... ici. Non mais je dis ça parce que j'ai un voisin qui est, je pense, évangéliste.
qui pense avoir un talent à la guitare et au chant. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et je peux vous assurer que... Vu que visiblement ces chansons n'ont que des refrains, c'est un petit peu long quand même. Hein. Ah oui. Hop, on récupère ça. Voilà, c'était l'instant... histoire de ma vie. Voilà, ça va quand même faire bientôt 10 vidéos qu'on est ensemble sur Steel Rising, alors si on peut pas se dire les choses, comment on va faire? Allez, là on a une Vestale, il me semble. Oui. Allez, nous voilà dans le marais. On va en profiter pour se soigner, pour acheter quelques petites grenades, comme d'habitude. Hop, deux, c'est parfait. Et on avance. On ne faiblit pas, on ne flanche pas. Les ennemis, oui, on va arriver là-bas juste après. Oh, il y a une quête annexe ici qui m'a rendu fou. Impossible de trouver la solution. Et heureusement, grâce à ces vidéos, vous allez trouver la solution. Mais ce sera pour la vidéo quête annexe. Non, on descend pas tout de suite, mais on va quand même ramasser ce qu'il y a à prendre ici. Hop. Oui, on va ouvrir tout ça. Au fil du temps, on va descendre dans les égouts pour l'instant. On n'a pas peur de se salir dans le jeu. Eh non. On passe à côté du gentil pendu. Non, il n'y a rien ici. Là, on peut tomber, il y a de l'eau. Je sais, ça fait peur. Parce qu'on a bien dit qu'il fallait pas qu'elle se mouille, mais bon. Là, on peut passer. Ah, j'ai loupé le sac. Et je n'ai pas loupé le sac. Donc attention, il y a un robot qui va se lever quelque part. Je sais plus où. Ah bah... Ah! Non, il me poursuit, j'ai peur. On casse le petit mur. Et allez, on poursuit. C'est vrai que la Bastille, c'est un niveau qui est assez long, en fait. Dans ma tête, il était beaucoup plus court. On est encore loin du... de la fameuse Bastille. Et c'est un peu le point d'orgue du jeu, je trouve. La Bastille et Versailles, ah, ça quand même, ça fait son petit effet. On peut pas le nier. Est-ce que c'est là qu'on peut monter? Non, c'est pas là. Là, on est quoi? On arrive au petit jardin. Mais arrête de courir et de t'épuiser. Là. On passe ici, oui. Casse tout ça, il n'y avait rien. Zut, c'était une mauvaise technique, un mauvais choix tactique. Non mais un jour, ma passion du loot me coûtera cher, hein, vous verrez. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Et j'ai loupé un truc. Et j'ai rien loupé, en fait. Il y avait un petit éclair. Non. On déverrouille. Et maintenant, on va pouvoir passer par les toits. Voilà. Alors, le chemin, c'est par là-bas. Donc, nous, on va aller par là. Ah oui. Logique. Oh, mais non. Bon. On est arrivé à un stade où on les fait souvent tomber, hein, quand même. Ça, c'est appréciable. Ici, ouais, voilà. C'est ça qu'on est venu chercher. Hop. Oh, j'ai cru qu'il y a eu un petit bug. Oh, l'essence d'esprit révolutionnaire. Oui, je crois que... Bah, j'aurais même pu sauter par là, hein. En fait, je me suis embêté. Oui, il n'y avait pas besoin. Bon. Nous, on veut aller ici. On s'en fiche. Ah, on s'en fiche, mais il y a ça quand même. On a récupéré le boîtier de soins critiques. Et pourquoi? Oui, d'accord. Ce sera à mettre au rang de tous les bugs du jeu. Hop. Allez. Voilà. Alors là ça c'est pas bon. Est-ce qu'il y a un autre truc à récupérer? Non. Bon, on va fuir. Hop.
Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller par là. Et on va déverrouiller le petit passage. Voilà, maintenant on peut circuler librement à ce niveau. Alors bon, on s'en fiche, c'est qu'un sac. Je crois qu'il n'y a rien ici. Il y a là, ça. Il y a ici. Ah, il y a le petit truc juste en dessous. On va quand même ouvrir ça. Ah. Ah zut. Et ben alors. Allez, un petit dialogue. Ah non, on n'a pas le dialogue là. Ah oui, mais oui, c'est la quête. On reviendra ici pour... C'est une quête de Mirabeau, je crois. Hop, on a récupéré ça. Là, il n'y a rien à faire. Donc on reviendra... ouais. La quête, on l'a... Non, bah non, on l'a pas encore. Donc on reviendra ici. Elle n'est pas forcément facile à trouver, bah c'était elle, hein, d'ailleurs. Qui m'avait rendu fou, parce qu'en fait... Comme l'accès se fait par là, et qu'on est... C'est un moment où on est sous pression. C'est vrai que... J'ai eu du mal. Allez, nous on poursuit notre aventure. On grimpe là. Et hop. Voilà. Dash plus suspension, c'était magnifique. C'était magnifique, mais en fait, ça m'a fait louper. Rien du tout. Non, j'ai rien loupé. Perplexe. Qu'est-ce que je fais là? Hop. Ah. Ouh, c'est bon, c'est passé. On est là pour repasser de l'autre côté. Très bien. Là, il n'y a rien. Ah, je pensais que j'allais la faire en moins de 30 minutes. Je retire ce que j'ai dit. Ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Ah. Mes compagnons. Si vous voulez, encore une fois, faire le trophée pour tous les dialogues de villageois, bah, il faut écouter. Ouais. Allez, hop. Allez. Voilà, et là... Ah bah si, s'il va dire laissez-moi à présent. Voilà. Allez, encore une fois. Ah non. Non, ça y est, on l'a énervé. On l'a énervé et voilà. Là, il n'y avait pas... Non, il n'y avait rien. On arrive au mini-boss de la zone. Voilà, c'était là. Et il doit y avoir une vestale par ici. Non. Ah non, il n'y a pas de vestale. Ah si, elle est là. Et juste là. Et je crois que là, il n'y a rien. Ah oui. What a ghastly massacre. It seems that the artillerymen used Monsieur Leclos' devastating cannonballs. Ah non, il n'y a pas de vestale. Elle n'est pas ici. Bon. Bon, là, on va faire quelques cascades hein, pour passer. Je vous préviens, on a besoin de notre endurance. Ça va aller très vite. Ça va être dangereux. Nécessaire. Hop. Oh là là. On est passé. C'est magnifique. On a évité ça. C'est incroyable. Alors maintenant, comment on fait pour ce cul-de-sac? Oh là! Et ça passe, voilà! Hop! Ah oui! Y a rien ici? Non, c'est lui, c'est pas le... Oh là! Pas la glace, est pénible et il fait très mal comme vous pouvez le voir. Oh mais non, mais jamais tu me fais ça dans la vraie vie. Hein. Tiens, allez hop, voilà, je te méprise. Bon, par contre le boss est juste après. Oh bon, de toute façon... À noter que vous êtes... Oh oui, lui, c'est vrai qu'il fait ça.
Vous êtes pas obligé de tous les tuer, hein. Oh là là. Ah ça y est, c'est le moment où je commence à trop prendre la confiance. On va utiliser le décor à notre avantage, voilà, comme ça on n'en parle plus. Vous n'êtes pas obligé de tous les tuer. On pourrait très bien continuer. Ah, rage de vaincre, je crois que c'est pas mal. Non, rage de vaincre, en fait c'est naze. Oh, je sais plus. On va regarder à la Vestale. Mais si vous voulez le trophée qui est lié justement au fait de tuer tous les automates instables, bah, vous n'avez pas le choix. J'en ai plus que 13. C'est pas beaucoup 13, hein. Moi je suis pas à l'aise avec ça. Hop, on a esquivé. On va aller ici pour ça. Calmez-vous les gars. Calmez-vous. Ah oui, puis j'ai pas ramassé ça. Et puis il a une bonne aggro, hein. Il lâche pas lui. Non, non, il ne lâche pas. Je suis dans un cul-de-sac, oui, parce que ma boussole indique que c'est là-bas qu'il faut aller, évidemment. Donc je voulais regarder le rage de truc, là, rage de vaincre. Son critique, ah, ça peut être pas mal, ça, quand même, celui-là. C'était bien rage de vaincre qu'on avait trouvé, rage de vaincre. Ah ouais, ouais, mais c'est pas si... Bon, on verra, on va améliorer les autres, puis... Il y a un trou dans le sol. Hop, voilà. Là, on est bien. Bon. On repart direction la Bastille. Et c'est pas là qu'on va ouvrir tout ça. Calme-toi. Ici, j'ai rien loupé. Ah! Par contre, j'ai loupé. Alors le pavé de granit, hein, ils sont bien gentils, mais là on fait plus de dégâts au boss avec ça. Ah, voilà notre petite Vestale. Ici je crois qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Et si on monte là, en fait, on passe... Ah oui, ok. On va dépenser tout ça, hein, parce qu'on n'est pas à l'aise avec autant d'argent sur nous. Ah non. Et... Hop, on va refaire le plein, c'est fait, et c'est bon, ouais, on est bien. Ah, je crois que je peux améliorer un de mes logements de boîtier. Oui. Voilà. Du coup, est-ce qu'on va mettre un niveau 3 aussi ici? On mettrait le contre, on s'en fout, on s'en sert pas, soins critiques, la régène de vie importante... Mais encore faut-il faire des attaques critiques. Parce que ma vie est au plus bas. Ouais, bah écoutez, on va tenter comme ça. Voilà, j'ai cassé des plans, je suis heureux. Alors ma petite boussole, elle m'amène où? Où est la Bastille? Ah, voilà. Ça franchement, quand je suis arrivé, je me suis dit, ça a quand même de la gueule. C'est sympa. Nous, on s'en fiche un peu de tout ça. Je sais plus si la porte on peut l'ouvrir. Non, on n'a pas la clé pour. Oh là. Oh là là là, c'est pas passé loin. On a notre essence d'esprit guerrier. Ça fait très très mal comme vous avez pu voir les carreaux d'arbalète là. Si vous arrivez à éviter d'en prendre un, c'est quand même pas mal. Allez, on descend. On n'a pas le choix de toute façon. Et on va avoir le premier écho de... Ah, j'ai oublié comment il s'appelait. Du mec. Il va être par ici. Par contre, il va falloir tuer les ennemis parce que sinon, vous ne pouvez pas le... vous pouvez pas l'activer. Et je sais pas si on va pouvoir faire la quête. Donc en fait, ça servait à rien d'aller dans les égouts dès maintenant. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu de ménage. Et puis on... Oula. On y reviendra beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard dans la prochaine vidéo, en fait, pour les quêtes annexes. Voilà. Je pensais qu'on pouvait peut-être faire quelque chose, mais c'est vrai que comme j'ai rien enclenché,
Et ben non, c'est pas possible. Ah, il y a quelque chose là. Oui, là, j'ai éliminé tous les vilains ennemis qui me gênaient. Pourquoi pas. That's enough, Monsieur le Comte. My assistants and I are exhausted. We're not grave diggers, à la fin. Oh, I understand. The task you have been given does not please you. Perhaps you do not find it worthy of your high qualifications. Indeed. My family has been dedicated to serving the kingdom for over a century, and you cannot ignore what it has cost us. I refuse to fall that low. Very well. As you wish. Since this is the case, you will have a more prestigious assignment starting today. Was there anything else? What about my assistants? Will they come with me? Unfortunately not, mon ami. But I promise you that they will never complain about their fate again. Et allez, on continue. On n'est plus très très loin. La Bastille en elle-même, c'est pas hyper long. Oh là là. Même si vous avez dû remarquer quand même que la difficulté avait un petit peu augmenté. Ou alors c'est moi qui prends plus de risques, je ne sais pas. C'est possible aussi, hein. Petit boîtier cuit de glace. Et je crois que là, ouais, il y a quelque chose que j'aurais pu aller ramasser. On va y aller de ce pas. On ne laisse rien derrière. Une grenade pétrifiante. Mais non ! Ah, là, je viens de faire la super attaque de mon arme qui me sert à rien. Quoique, j'aurais pu l'utiliser. C'est vrai que je vous l'ai jamais montré, je crois. Attendez, on va le faire pour le fun. Ah oui, alors, non. Voilà, ça sert à ça. C'est un peu naze, hein, quand même. Oh là là. La douleur est... Hop là. Terrible. On essaie de pas tomber. Hein, toujours objectif zéro mort. Mais... Il est possible que si on meurt, ce soit dans ce niveau, hein, quand même. Parce que dans mon souvenir, il y a des ennemis un petit peu énervés, quand même. À l'aide ! Par pitié ! Ah. Au nom du ciel ! Ah, voilà. Si, il demande du pain, là, c'est ça. Attends. I'm listening, monsieur. Oui. Mais comment ça, il a faim ? Il y a du pain juste à côté. Attendez. Bizarre. Dans mon souvenir, on ramassait bien du pain. Puis là, il y a du pain en plus. Oh, toi. Toi, tu vas pas m'énerver, hein. Comme ça, de toute façon, on récupère la clé qu'on est censé récupérer. Attendez, c'est vraiment bizarre parce que j'étais sûr que c'était ça qu'on avait récupéré pour lui. Bon sang, j'avais vraiment oublié où c'était. Et c'est au tout début, quand on arrive à la Bastille, on fait pas forcément attention. Mais ici, le morceau de pain. Voilà. Ah là là, obligé de revenir en arrière pour retrouver, ça m'a énervé. Bon allez, on se téléporte tout de suite dans la cellule. Voilà, on va pouvoir soulager sa peine, le pauvre homme. I'm hungry, madame. Ah, on a encore le choix, non, Lyd. Here, monsieur. Bless you, madame. The fickle Lady Luck will have... The executioner. Oh, yes. His face. The ex... Ouais, il nous parle du boss, le bourreau. Sous quelle forme pourrait être le bourreau à la Révolution? Ah, on se demande. On se demande. Et, évidemment, c'est une très bonne surprise. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Allez, on va utiliser la Vestale pour se recharger. Oh, quoique... Non, on s'en fiche, on va prendre... Une fiole. Ici, non, il n'y a rien à faire. C'est un moyen de sortir plus vite. Et on n'en a pas besoin, là non plus.
Ah là là. Regardez-moi ces traîtres. Ah si, en fait, il faut sortir. Hop. Si, si, je crois qu'il faut sortir. Hop. Et non. Non, non, pas du tout. Ah, j'ai oublié. Oh, comme c'est la dernière partie du jeu, et que déjà à l'époque je l'ai peut-être un brin rushé, il est possible que là, ma mémoire me joue des tours. Ah oui, il y a un mur à détruire, c'est ça. On les voit un petit peu moins bien ici. Oh là là! Oh, je me fais massacrer. Oh là 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 là, je me fais vraiment massacrer. Oh, j'ai mal. Allez, on va chercher l'autre. Ici, c'est un écho. Non, c'est pas un écho, ça. Ah si, c'est un écho. Oh, on est obligé de le tuer. Zut. Bon, bah allez, c'est parti. Ah bah de toute façon il nous donne la clé qu'on a besoin d'avoir, donc c'est mieux. Hop. Monsieur le comte. Monsieur le comte, are you there? The prisoners, they're suffering. As promised, I have interceded on your behalf. The king has named you Gouverneur de la Bastille. Do you realize what an honor this is? Put an end to this sinister farce, Monsieur le Comte. Order your machines to unhand me at once. Listen to my voice, mon ami. Nothing but my voice. Est-ce que ça marche vraiment d'agiter un petit truc comme ça? Je sais pas. Ah, je suis perplexe. Bon, allez, on poursuit notre ascension. Tu m'énerves. Toi aussi. Allez-vous-en. Respectez-moi. Voilà. Hop. C'est étrange. Quand est-ce qu'on descend? Ah oui, ça va être là. Alors. Voilà. Oh là. Je crois que je me fais attaquer par un moustique tigre en plus. Ah là, si vous vous faites toucher, attention. Hein. Parce que dans les airs, vous allez vous retrouver en bas et c'est la mort. Pour ça aussi, je vous disais que... Hop. On a notre petit catalyseur. Hop. On vient ici. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Si on descend, qu'est-ce qui se passe? Non! J'ai tellement foiré. Ah, je m'en veux. Parce que j'ai pas le dernier écho. Ah là 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 là. Oh, ça m'énerve. Je vais être obligé de remonter pour ouvrir le sarcophage. Ça me saoule. En plus, avec un boss trop cool. Et qu'on éliminera comme les autres. Allez, le bourreau. Ah, ça m'énerve. Là, je suis très frustré. Non, je le dis parce que du coup, ça fait pas... Ça se passe pas comme j'aurais aimé que ça se passe. Et du coup, bah, c'est pénible, tout simplement. Attends, je vais me pousser. Avouez que c'est frustrant. Ah bah, super. Oh, vas-y, j'enlève la cinématique tellement je suis saoulé. Je veux pas aller au cachot de Vaucanson, moi. Je veux remonter. Je veux remonter, je me suis loupé.
Oh là là, et vous voyez en fait là, du coup, ça... Ah ben je peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est donc forcément agaçant. Y a pas moyen de remonter? Non, évidemment. Évidemment qu'il n'y a pas moyen de remonter. Bon, bah écoutez, comment on va faire? On va faire un cut. Comment je vais m'y prendre, moi? Attendez. Si, hein, il me semble bien que je me suis loupé. Oui, je me suis bien loupé. Il n'y a pas moyen de remonter. Attendez, je réfléchis. Oh, bon, de toute façon, allez, ça y est, on se prend vos cançons. Je vous laisse quand même la cinématique. Monsieur. Cette voix. Oh, cette voix. Athénaïs. Mon enfant. Oh mon Dieu! They did it! They did it! They've turned my sweet daughter into a cold machine! It's all right. Stay calm. Well, Ludia, what has Cagliostro told you? Has he sent you to put me out of my misery? No. I'm going to get you out of here. Let me help you. There's no point. I'm burning with fever, and I'm already short of breath. Death lurks around every corner in this prison. I couldn't escape it. I'm not long for this world. No, you can't. Outside, your automats are slaughtering men, women, and children. What you have done, monsieur, only you can undo. What I have done? The miracles I performed? The wonders I gave to this kingdom? It was nothing but vanity. I closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro, souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something awful. You must stop them. The king and his loathsome henchman, Cagliostro, the master of the machines. He gives them their orders. He must be silenced. At all costs. Take my hand. Pauvre enfant. I am not your father. No more than you are, Athénaïs. You're but the vessel that contains what is left of her broken soul. Ludia. I don't want to die without hope. In the name of what is left of her in you. In the name of her love for you. I beg you. To free her from the purgatory our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur. Do you realize what that means? Are you ready to make that sacrifice? The ultimate sacrifice. Ma fille. I shall never see her darling face again. Ma petite. You must set her free. Bring her back into the light. The light. Monsieur. Monsieur. Monsieur.
voilà. On va passer ça, hein, parce que là, je suis un petit peu agacé. J'imagine que vous en êtes rendu compte. Par où je peux aller pour sortir? Non, ici, il n'y a pas de truc. Ah! Oui, il y a ça, mais moi, ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout parce que... Ah, si, peut-être. Bon, écoutez, je vais faire un cut, je pense, au moment où j'aurais dû récupérer le dernier écho. Si vous ne ratez pas votre saut, vous vous retrouvez ici. Et du coup, vous pouvez aller récupérer le dernier écho qui est un petit peu caché. Il faut bien le dire. Oula, zut, c'est pas là. Ah, ça y est, en plus, je commence à buter contre les obstacles. Alors là, c'est la fête. C'est la totale. On continue de descendre. Et attention, ça se voit pas forcément, mais cette porte peut être ouverte. Et quand on va tout droit, on fait attention à ça. Parce que c'est quand même assez vicieux. Voilà. Voilà, on va la balancer à la grenade. Et on n'en parle plus. Et donc, une fois qu'elle est éliminée, on peut avoir le dernier écho. The death sentences delivered by court order are nothing more than cowardly murders, barbaric crimes committed legally in the name of the entire nation. These cruel laws are the doing of the tyrants who rule us. They are the chains they have always used to oppress the human race. And that, mes amis, is why the death penalty must be abolished. Well said. Maintenant, on va aller, on va retourner dans la salle pour le réveiller. Alors, si vous n'avez si vous avez fait comme moi, si vous avez raté votre saut, il y a un moyen très rapide de rejoindre la salle. C'est ici. Là, c'est un raccourci en fait que vous allez débloquer. Mais voilà, vous revenez dans la grande cour. Et voilà, on arrive, on peut enfin le réveiller. Quel échec, on va passer la séquence, hein, parce que bon... Voilà. Est-ce que les tâches... C'est bon. Voilà. Et ben là, ça y est, c'est la fin. Ah là là, bon, évidemment, dans l'idéal, vous l'avez libéré après le combat de boss, et vous n'avez plus qu'à suivre ce chemin qui vous ramène au couvent des Cordeliers, et qui déclenche une scène. Voilà. Ah, je suis énervé. Bon, c'est pas grave, c'est fini. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très vite pour les quêtes annexes. Et Dieu sait qu'il y en a. Allez. Salut.